depuis l'année dernière, en fin de saison, on avait commencé à mettre en place une équipe avec les jeunes des écoles de basket. Et là, vous avez vu qu'avec 3-4 grandes, 4 anciennes qui ont eu à gagner des trophées, elles ont accompagné les plus jeunes. Maintenant, on est en train de mettre en place cette équipe-là. Elles ont joué avec beaucoup d'expérience. Parce que ce sont des filles qui ont joué très longtemps dans ce championnat et qui avaient compris dans le jeu que moi, je n'avais pas de grande. Donc régulièrement, elle amenait mes filles là sous le cerceau. Bon, après, vers la fin, j'ai demandé à mes filles là de faire le double marquage sur chaque joueur qui a la balle dans la raquette. Mais elles n'ont pas couru. Moi, j'ai constaté que l'équipe de Bob ne court pas. J'ai demandé à mes filles à la mi-temps de courir et de courir avec la balle et de les faire courir. Maintenant, on a constaté qu'elles étaient fatiguées vers la fin. Mais c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Bon, tu sais, on salue. Hein. L'appétit vient à manger. On est en train de chercher deux grandes. Si on parvient à avoir deux grandes, on va chercher les trophées, hein, comme d'habitude. Si on parvient à avoir deux grandes, on ira chercher les trophées. Parce que les filles-là savent jouer au basket. Elles ont appris à jouer au basket. Maintenant, ce qui reste, c'est une bonne composition des éléments qui composent une bonne équipe. Mais à savoir des grandes, des extérieures. On a des filles qui tirent. Même si c'est le début du championnat et n'ont pas encore l'adresse qu'on attend d'elle, surtout une fille comme Dalva. Elle a mis quelques points sur des tirs à 3 points. Maintenant, il faudrait qu'on parvienne à régler tous ces problèmes-là. Mais pour régler tous ces problèmes-là, il faut au moins qu'on ait deux grandes.